Web TV Show. TV Show. Web TV Show. Allez, bienvenue. Web TV Show. Merci. Allez, bienvenue à tous. Bienvenue sur le Web TV Show. Là, les infos du Cap Nord-Est, le tout en direct live des studios du Cap Nord-Est rue Léonard de Vinci, on le rappelle. Vous pouvez passer nous faire des bisous, nous apporter à boire et à manger. Punaise, il s'en est passé des nouvelles introductions depuis que je suis parvenu. Complètement. Alors, donc ce soir, je suis accompagné de mon ami Martin. Salut Martin, ça coucou va? Coucou tout le monde. Fidèle mon retour, voilà. Mon grand retour. Exactement, à côté de Martin, nous avons Paul. Ça oui, va, Paul? Bonjour tout le monde, et oui, je vais bien, et toi mon poteau? Eh bah, ben, je vais poteau, très bien, merci poteau. À toi. Après, de l'autre côté, c'est le coin des filles. Voilà, donc on a Alison. Martin, il va falloir qu'il arrête de jouer avec les boutons. Et nous avons Aurélie. Salut Aurélie. Salut. Il est où Flo? Mais il est où Flo? Mais il est où Flo? Florentin, t'es où? Flo, il est où Florentin? Florentin. Attention Florentin, est-ce que tu peux te mettre devant ta caméra Florentin? Voilà. Alors, coucou. Salut Florentin, tu vas bien? Ouais, ça va, il fait chaud ici. Hein. Il fait chaud, alors vas-y, on va commencer par toi. Florentin, qu'est-ce que tu fais ce soir, mon Florentin? Attends, ce soir, je fais un intro. Cuisine, apparemment. De quoi? Tu fais la cuisine? Ce soir, on fait une pizza. Ouais, on mange pizza. Donc, qu'est-ce que c'est que ça pour vous? Ah, une étoile. Le tuto, on n'a pas fait le jingle. C'est des anchois, on va faire après. Un bonhomme. Okay, des anchois, c'est perdu. C'est pour les anchois, ça. Qu'est-ce que c'est ça pour vous? Ah, la bonne viande. Du gruyère, c'est gagné. Du gruyère, bien sûr. Ah bah oui, il est le gruyère? Du gruyère. Et ça? Et ça, c'est une pomme de la terre. Ouais. Ouais, voilà. Jaune. Et jaune. Pomme de terre jaune d'Halloween. Ouais, c'est ça. Non, Halloween, c'est plutôt orangé. Alors, qu'est-ce qu'on oublie? On oublie de faire le jingle, Martin? Bah oui, le jingle. Bah non, on l'a fait, non? Le tuto Flo Cuisine. Là-dessus. Allez, pizza. On va en commencer nos petites infos. Attention, ce soir il y a du taf pendant que notre ami Florentin commence à faire la cuisine. Il reste en cuisine et il reste en cuisine parce qu'il va nous faire une pizza. Pour il travaille pour une fois. Donc, mais voilà. Il est pas loin, il est juste là en fait. La ouais, en fait, en fait, si j'ai juste à prendre le micro et à y aller à pied en fait. Regardez là. Voilà. Là, si vous regardez, ouais, derrière moi, vous avez Florentin à un moment. Si Florentin se penche bien, on le voit bien. Exactement. Alors, on va commencer nos petites infos. Qui c'est qui va se manger la première? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du cirque. Qu'est-ce que c'est que ça, du cirque? Oh, quelle belle affiche. Voilà. Qui c'est qui nous présente le cirque? Moi. Martin, vas-y, c'est parti, c'est pour toi. Alors, le samedi 4 novembre prochain, un atelier enfants-parents sur le thème du cirque vous est proposé. Deux ateliers pour le cirque, du coup, atelier enfants-parents. Donc ce sera à la salle de danse de Gravigny, donc la nouvelle salle de danse au complexe. Vous avez une séance de 9h30 à 10h30 pour les enfants de 1 à 4 ans et de 10h30 à 11h à 12h30 pour les enfants de 4 à 10 ans. Ah oui, il n'y a pas de pause. Donc c'est avec Saga Cirque et la participation est libre. Donc vous donnez ce que vous voulez, genre si vous voulez donner 5, 10, 15, 20, 50, 100 euros, enfin bref, c'est ce que vous voulez. Donc, pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à appeler le centre social au 02 32 50 55 56 ou à accueil.pstcnr@outlook.fr. Et surtout, t'as oublié, mais il n'y a pas d'inscription. Très important. Ah oui, il n'y a pas d'inscription. Ouais, vous, voilà. Venez, vous venez comme ça. Venez comme vous êtes. Voilà, bon, allez, on repasse sur Flo. Flo, t'en es où, ma poule? Il fait que aller l'argent parce que ça sent. Vas-y, je te mets ton micro. Non, ça, c'est la poule, ça. Alors, du coup, on avance plutôt bien. Commence à plus rien voir, mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Il y a pas de VN. C'est bon. On est revenu en direct ou pas? Pas encore. Pas encore. C'est bon. On est revenu en direct. On est de retour en direct. On est désolé pour cet incident technique. On a disjoncté. On a fait sauter. On a fait sauter, alors on est... les plaques, plus le four, plus les éclairages, pour ça on va être un peu plus les caméras. Plus les caméras. Plus Alison. Plus Alison qui dans la pièce. Beaucoup. Voilà. Voilà. Donc du coup on a... on est revenu. On a disjoncté. Voilà, ouais. On a disjoncté. On a alors, fait... Voilà. Voilà. Le temps de refaire les partages. Parce que, on bah oui, du coup on est désolé. On est désolé. Et donc, on mille excuses. Pincer à
l'info suivante. Ouais. Normalement. Alors oui, de base on était sur Florentin avant que ça coupe. Voilà, on était sur Florentin. Alors Florentin, t'en es où avant depuis que t'as fait tous les jonctés, voilà. Rallume pas la lumière, là, au mon dieu. Non, rallume pas la plaque non plus. Non, mais tu peux rallumer ton côté, c'est bon. Ça, c'est... Du coup, j'ai fait cuire les lardons, ça en est bon. Ouais. J'ai étalé la pâte entre deux. T'as étalé la pâte, ok, dans le noir. Ouais. Et on va faire goûter le reblochon à tout le monde. Ok, cool. Donc j'arrive. Ah. Alors attendez, Florentin, du coup, bah, il a. C'est bien parce qu'il y a deux, il y a à peine 5 mètres. 4, 5, 3, à faire entre le studio caméra. Et la cuisine. Caméra, ouais, écoutez, c'est... Julien caméra peut-être pour faire le putain, il a écouté mes pensées. Ouais. Pourquoi? Ah, oh, trop bien. T'es connecté à son cerveau? Mmh. Un petit peu, ouais. Je suis vachement bon. C'est nos bien. Talents du région, je crois que c'est ça. Sinon, j'avais pas le choix parce qu'il y a ah, ça dans bah, le magasin. Ok. C'est bien, ils ont Facebook a supprimé notre message. Ça manque d'un bout de pain. Ouais, bon, je remettrai plus tard. Bah. Merci. Bon. Parti. Allez, on reprend, on continue. Info suivante. Alors du coup, je refais du coup parce que je pense qu'on va pas. Je pense que l'autre vidéo, on va la supprimer. Non, on enchaîne. On enchaîne. On d'accord. Enchaîne. Ok. Je vais dire, qui veut la faire celle-là? Ouais. Vous pâtez pas, je la fais. Hein. Bah vas-y, fais-la. Alors, le samedi 25 novembre. Prochain de 9h à 17h30, salle Gérard Philippe, donc c'est celle qui est derrière la mairie à Gravigny. Il y a une foire aux jeux, aux jouets et aux livres enfance-jeunesse. Vous pouvez y participer pour vendre tout ce que vous avez qui sert plus. En réservant une table, donc c'est 5 euros la table. C'est les réservations, c'est avant le 16 novembre auprès du centre social du Cap Nord-Est, par téléphone où vous passez directement. Sur place, vous aurez une buvette et un snack du midi qui sera proposé par le point accueil jeune, nos ados du territoire. Et puis autrement, si vous n'êtes pas disponible mais que vous avez quand même de la place à faire, vous pouvez nous déposer vos jouets directement au centre social. Voilà. C'est les cartables de Gravigny qui feront le tri. Voilà. Exactement. C'est l'association Les Cartables de Gravigny qui feront le tri. Merci Aurélie. Ouais. Alors. Tac. Alors, on en est où? Là, toc, toc. Nous revoilà. Florentin. C'était en partenariat avec le Secours Populaire. Florentin, t'es en où, mon poulet? Ah, bah on a perdu Florentin. Il a bondi de l'une gazelle. Alors, j'en suis actuellement à rouler la pâte sur les contours. Alors, Florentin, on te voit pas en fait, t'es coupé là. Attends, Alison arrive. Attends, Alison arrive pour faire le cadrage. Voilà. Alors, oh je vais prendre le contour de la pâte pour que ça soit magnifique. J'allais prendre une cuillère à l'instant. Ouais, c'est Florentin. Prends un peu de crème. Ouais. À une main, c'est galère, attends. Ah, pose le micro. Le micro à 5000. Ouais. Alors, pour faire une pizza, il vous faut. Bon, allez, info suivante. Ouais, allez, go. Allez, on s'en fout. Allez. Oh, on va pas le regarder, il a la crème toute l'après-midi. Hein. C'est mignon. Regarde, il fait sa crème. Oh, allez. Merci Flo, allez, on va le laisser quand même derrière. Allez, donc l'info suivante, on a quoi? Tac, ça la foire aux jeux, on l'a fait. Suivant, ouais. Allez. Attendez, parce que. Qu'est-ce qu'on a? Oh, Aurélie, ah, c'est pour toi. Les baby gym, ça les c'est baby pour gym. Moi. C'est Aurélie, allez. Pour une fois qu'on travaille. Alors, au niveau des baby gym, on a une prochaine séance qui aura lieu le samedi 18 novembre. Alors, il y a deux créneaux, hein. C'est la nouveauté de cette année. Il y a une séance soit de 9h à 9h45, soit une autre séance de 10h à 10h45. Donc, comme c'est expliqué, les séances, elles durent 45 minutes à peu près. Et du coup, ça a lieu dans la salle de danse du complexe sportif à Gravigny. Voilà, et effectivement, par contre, ça pour le coup, c'est en place limitée et c'est sur inscription. Et donc, bah, la séance, elle coûte 3 euros. Voilà. Ok, c'est sympa tout ça. C'est pas cher. Bah non, c'est pas cher. Bah non, c'est pas cher, 3 euros. C'est pas cher. Il en est où l'autre pépère là? On peut venir nous faire la bibi gym? T'as plus l'âge, c'est dommage. Ok. Alors, la crème. On t'écoute. J'ai fini de tailler la crème, du coup, j'allais mettre, comme lisait les recettes, de mettre les pommes de terre. Ouais. Après j'allais mettre les cubes de reblochon. Ouais. Et après les lardons. Ok. Bon, Florentin, on te laisse, tu gères. Bon, à tout à l'heure. Ok. Allez les gars, une à info. À tout à l'heure, monsieur Leblanc. Donnez-moi une info, donnez-moi une info. Oh, qui l'a fait? Julien. Ah non, c'est Alison qui a fait ce truc-là. Waouh, mais quel merveilleux document. Il est beau le chat. C'est... Oui, c'est un chat avec les dés.
Il a des dés à côté de lui. Ça s'appelle Dédé le chat. Oh, oui. Dédé le chat. Dans le micro, pas le coup, j'allais faire en plus. C'est plus Dédé le cochon, c'est Dédé le chat. Voici le programme, voici l'agenda du centre social du Cap Nord-Est du mois de novembre. Voilà, on voit rien. Où est-ce qu'on peut le retrouver? On peut le retrouver sur nos réseaux, sur la page Facebook du centre social PST Cap Nord-Est. On peut le retrouver au siège du centre social. On le retrouve aussi sur notre Facebook à nous. On peut le retrouver sur le Facebook de la Web TV. Sur l'Insta. Et si on n'a pas de Facebook Bah, il est sur Instagram. Et on a Instagram. Et Snapchat aussi, non Faut avoir. Oh, Snapchat, on l'utilise pas trop. On n'a pas trop de. TikTok, non, voilà. Dessus, en fait, TikTok. On est des youtubeurs. On a que un chat. Ouais, nous, on est plutôt Insta ou Facebook. Exactement. Exactement. On va pas tout reprendre, mais il y aura des ateliers cuisine, des ateliers enfants-parents dont on va vous parler un peu plus tard, Aurélie. Les jeux de société. Il y a les jeux de société, toujours, la buvette causante pour les parents, et puis des actions pour les ados avec Julien qui va dans nos campagnes, Gossiel. Ouais. T'es où ce mois-ci, Julien? Il est à Gossiel. Gossiel, Hué. Ouais, je suis partout. Et Sacanville, non? Et Sacanville. Pour réaliser les clips vidéo et pour des battle nerf également. Sur d'autres communes, ouais. Mais il y a les affiches qui arrivent là-dessus. Je vais perdre. Ah, ok, très bien. Il y a les affiches qui arrivent. Et il y a aussi une jam session, je crois. Ouais, le 17 novembre. On aura peut-être l'occasion de vous en reparler parce que c'est le mois prochain. Exactement. Et le gagnant du nerf, il gagnera quoi? Le gagnant du nerf, il gagnera quoi? Il gagnera le fait d'être super cool et de jouer avec nous. Et le perdant? Et le perdant, pareil. Voilà. Il aura perdu d'être venu. Non, il y aura plein de jeux différents. Donc, là, on va en parler après. Allez, vous allez voir. Info suivante. Allez, c'est parti. On a quoi derrière? On fait pas un passage derrière chez Florentin, vite fait? Non, mais il est long, on le voit. D'accord. Oui, toujours en train d'étaler sa tête. Non, c'est pas ça? Ouais, Florentin pourrait peut-être limite venir parler de ça s'il veut ou pas. Non, on pourra le faire, je sais pas. Plein Florent. Je sais pas. Non, vas-y, Paul. J'aime bien l'espagnol. Vas-y. Hablamos espagnol, señorita. Alors. Allez, on t'écoute. Appel au don, nous cherchons des lots pour notre loto et financer notre voyage en Europe 2024. Il s'appelle Point Accueil Jeune. J'ai pu aussi. J'ai lu aussi les. En gauche droite, non? En gros, c'est. Ouais, le... vas-y. Nous sommes un groupe de 16 jeunes adhérents du PST Cap Nord-Est, sérieux de créer nos propres vacances et de nous impliquer dans leur financement. Pour cela, nous faisons des buvettes, des chantiers, des foires à tout, merci. Rien. Créons des liens avec diverses associations locales. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est Florentin qui amène des bouts de patates en même temps. Ah d'accord. Il t'a posé des patates à côté de toi. Florentin, il nous nourrit en fait. Contact en privé, point d'accueil jeune de Carmini, 02 32 62 76 16. Facebook, point accueil jeune de Carmini. Instagram, page Gravigny. Bon de réduction, bon d'achat, expérience à vivre. Bien-être, sport, culture, alimentation, goodies. Voilà. Je connais rien. Ouais. Voilà. Parfait. Non, parfait. Très complet. L'info est très complète. On est bien. Donc, en gros, le point jeune cherche des lots pour financer un voyage, pour faire un loto. Alors, n'hésitez pas à manger. On s'embête. Goûte la pomme de terre. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est bien cuite, la pomme de terre? Je suis végétarien, je mange pas de pomme de terre. T'es végétarien, tu manges pas de pomme de terre? Ouais. C'est le seul qui va dire attends, je crois que Florentin veut parler. Ça va, Flo? Oui, vas-y, Flo, on t'écoute. Je voulais dire quoi? Je sais pas. T'es où, Flo? Ah, t'es là. Vous avez faim? Ouais. Oui. Ouais. Parce que sur la recette, il y a marqué 100 grammes de reblochon. Ouais. Bon, j'en mets 240. Ok, cool. tant que t'en mets pas 50 grammes, ça part. Ça y va. La multiplie est un peu surélevée. T'es dans un HLM? Ouais. Il est en train de manger le budget de la Web TV de l'année là. Oui, j'avoue. C'est ça. En une pizza. Toujours. Tu verras le ticket de caisse après. Ouais, effectivement, merci, c'est gentil. Bon, on passe sur toi après, ma poule. Allez, on a une info encore qui traîne. Oui, ah bah vas-y, fais celle-là. On en a plein. Je te laisse faire, Paul. Si vous voulez. Ah bah vas-y, fais-la.
Là c'est court. Attends, on va zoomer bien pour gros, les gens. Comme je le sais. Ouais, ça c'est bien zoomé. Bam. Et bam, qui c'est qui l'envoie ça? C'est Paul. 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 Ah, comme là c'est bien gros et court là, ça va. Voilà. Là, ça compte bien. L'amical like de Gravini vous propose dimanche 5 novembre, salle Gérard Philippe à Gravini, 14h à 19h. T'es dansant, oh, bah, ça tombe bien. Orchestre. Orchestre Dominique Serin. Entrée 12€ avec une boisson offerte pétillant. Vente de poissons et crêpes sur place. 1€ la crêpe. Place limitée à 150 personnes. Ouvert à tous. Réservation au 06 69 26 86 71. Et c'est quel genre de danse en fait? C'est de la danse de salon. Enfin, ouais. C'est de la danse avec un orchestre. Donc c'est de la danse qui. C'est-à-dire la danse qui se danse, mais c'est la danse à deux en gros. Ouais, la danse de couple. La danse de couple. Ouais, c'est pas ça la danse de salon, non, je me trompe. Si, c'est ça. C'est danse de salon, c'est les danses de couple. Qu'est-ce que t'as dit? C'est une danse de couple en fait. Les danses de couple. C'est danse de salon. Ah bah merci de me rappeler que je suis célibataire. Bah t'inquiète, je me sens trouver quelqu'un là-bas. Ouais, on peut y aller en binôme même si on s'aime pas. Parce qu'on regarde. Ok, Nicki Minaj. Voilà. Aïe aïe aïe. On te voit Florentin manger le reblochon. Ouais. On te voit. Hein. Oh Florentin, délire. Je te rappelle qu'on Prie a un flag de caméra qui ouais, sont, dans le studio, donc on te voit. La gang délire. Voilà. On a plus de rire, on a plus les rires. Si, on les a encore. Alors, on a une info, mon Paul, encore ou pas? Oui. C'est pour moi, je vais c'est la faire moi. C'est bon, je peux la mettre, je peux après. Je peux. Oui, oh là, je crois que c'est bon, là, je suis un peu KO. Oh là là, vas-y, je vais le faire. Vas-y, ah je voulais la faire. Ah bah vas-y, Martin. En gros, je vais faire un truc, c'est très vite. Voici le planning des vacances pour le point jeune. Donc, on va pas dire la journée d'aujourd'hui parce que c'est déjà passé. Demain matin, atelier créatif pour Halloween. L'après-midi, multisport au point jeune. Mercredi, il continue à décorer le point jeune pour Halloween. L'après-midi, il fabrique des bonbons. Jeudi, il prépare le repapage. Après, du coup, il mange le repapage. Et l'après-midi, ils ont un tournage de vidéo. Vendredi, c'est une journée chill à Navarre. Voilà. Pas de bonbon ou en sort ? Mais pourquoi à Navarre ? Pour pourquoi pas, bonne question, je crois que c'est pour les rencontres interpoint jeunes. Ah, ils vont rencontrer les jeunes du centre social de Navarre ? C'est possible. Oui, possible, c'est possible. Ils rencontrent pas mal souvent. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bah, ben pour toi la prochaine. Allez, c'est pour moi, allez, enroulez jeunesse. Attention, on va mettre l'introduction. La caméra sur laquelle... Merci. Alors, le départ pour le clip de Sacanville démarrera le mardi 24 et suivra le mercredi 25 et le jeudi 26 octobre 2023. Donc ça se passe de 14h à 16h30, on se donne rendez-vous devant la mairie. Et donc, comme sur d'autres communes où on a pu le faire, on va réaliser un clip sur ce que pensent les jeunes de leur bassin de vie, en fait, de leur ville, etc. Comment ils s'y sentent, et est-ce qu'ils s'y sentent bien, est-ce que c'est cool, et voilà. Et donc, on va faire ça pendant 3 jours à Sacanville, parce que la commune est assez grande. Donc, dans l'idée, on se balade un peu partout. Et alors qu'il n'y a personne dans la cuisine. Voilà, si c'est bon, Alain Florentin. Ah, voilà. Et donc, vas-y, mets la suivante, Paul, je pense que tu dois en avoir d'autres. Vas-y, tu voulais dire quelque chose ? Les flèches, non, elle est entrée ? Vas-y. Comment on fait pour. Ouais, c'est bon. Oh, t'as l'air de nerf ! Pur délire ! Je peux le faire si tu veux. Vas-y. Non, attends. Ouais. Attends. Il y a d'autres clips ? Ouais, d'autres clips, ouais. Il y en a d'autres. As-tu deux ? Je peux faire ? Vas-y. Ça se zoom ! Ah, mais je vois rien. Bah, va de l'autre côté. Ouais. Ça a bugué, la flèche, ça marche plus. Ah, si ! C'est juste que la tête ne marche pas. Voilà. Encore. Ouais, stop, vas-y, c'est bon, nickel. Trop tard. Alors, on réalise aussi un clip effectivement sur UE le lundi 30 et le mardi 31 octobre. Donc, même punition, 14h, 16h30, rendez-vous devant la mairie, même programme. Voilà, et donc on en a une dernière, normalement ça serait à Gossiel, c'est la suivante. Non, pas du tout. Oh, Mario ! Vas-y. Et donc, effectivement, le jeudi, parce que le mercredi est férié, 1er novembre, voilà. Et puis, on a déjà du mal à bosser la semaine, on va peut-être pas bosser les jours fériés. Alors, donc le jeudi 2 et le vendredi 3 novembre, on fait aussi un clip à Gossiel. Donc voilà. Non, mais arrêtez d'aller manger de la pizza avant n'importe quoi. Voilà. Je pense qu'on les voit pas en fait. Voilà, c'est ça. Tiens, tu peux revenir en arrière, Paul, et puis on va remettre sur. Tu me dis stop. Allez, quel c'est ? Vas-y, encore. Bah, merde. Eh, c'est bon, on revient dessus. Encore un coup.
Voilà, nickel, c'était pas bien rangé. Je peux lire le neuf, voilà. Délire, s'il vous plaît. Super, 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 super. Vas-y, tu l'as fait, Paul. Oui. Alors, le nerf, c'est parti, c'est pour toi, il y en a plusieurs. Donc, tu vas toutes les manger. Allez, go. Eh, nerf, pur délire. Alors, animation jeunesse territoriale. Territoriale, vous pouvez pas faire des mots un peu plus compliqués là. Ouais, c'est pas faux. Alors, c'est de 11 ans à 25 ans. Contact 06. J'ai obligé de dire. Non, je dis juste la date et où c'est. Voilà. Donc, c'est Nerf War. Ouais. Mercredi 6 décembre 2023, salle des fêtes, environ 14h à 16h30. Balte de Nerf, viens avec ton Nerf. On a les flèches, masques de protection fournis. J'ai une question à propos de ça. Dis-moi. Et si j'ai pas de Nerf? Alors, justement, je vais en chercher ce soir. Je vais en chercher, on m'en prête ce soir et j'en aurai plein. Wow. Voilà. En gros. Mais l'affiche suivante parce qu'il y a d'autres dates en fait. Alors, vas-y. C'est de 6 décembre. À Aviron, voilà. Du coup, là, 8 novembre à Jouy-sur-Eure. Ok, nickel. 15 novembre à Sacanville. À Sacanville. Alors, excuse-moi pour. Vas-y, pas grave, c'est très bien. 22 novembre, Goussiel. Goussiel. À Goussiel. Goussiel, oui. Et après, Goussiel. Je crois que c'est une autre affiche. Et c'est bon. Ah, bah, c'est un autre truc. Par contre, j'ai une question là parce que. Dis-moi. Là, il y a novembre. J'ai l'impression que j'ai dit au moins deux fois novembre. Non, il y a trois dates en novembre. C'est tous les mercredis. Pour l'instant, j'ai en fait, en vrai, pour la petite histoire, j'ai toutes les dates de novembre qui ont été confirmées et une date sur décembre. Et donc, j'attends encore une autre date sur UE et encore une autre date sur la chapelle du Bois des Faux. Et tant que j'ai pas la confirmation des communes, je peux pas le diffuser et vous dire vas-y, viendez les amis, ça va être cool. Voilà. Ok, on a une autre info. Allez, pour qui celle-là? Alors. Moi, je veux bien. Vas-y. C'est une info qu'on m'a donnée au petit café de pays hier au Troc Plante. Alors, donc, le mois du doc, sur le temps des forêts, le titre du film documentaire réalisé par François-Xavier Crouet sera diffusé le vendredi 17 novembre prochain à 18h30, suivi d'un échange avec le CNPF. L'entrée est libre et gratuite. Le lieu de cette manifestation sera à la salle des associations rue du Robichon, à Normanville. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter la bibliothèque de Normanville à bibliothèque.normanville@orange.fr ou au 02 32 34 54 49. Tous les programmes du mois du film sont disponibles sur moisdudoc.com. Et bim ! Merci Martin ! De rien. Merci Martin, c'était cool. Merci lui nous sert à manger au fur et à mesure. Rentrer. Ah oui, il a carrément rajouté la sauce, regarde. Le cuistot, ouais, je l'ai vu jeter la sauce. En fait, j'ai pas eu le temps de le passer sur sa caméra, il est en train de. Je crois qu'il va travailler dans. Je sens qu'il va travailler dans le restaurant de 5 étoiles. J'ai mis le micro. Bonjour Florentin. Ouais, dans les restaurants, ça va aller. Il a déjà travaillé en boulangerie. Pâtisserie. Ouais, ça cuit là. Ça cuit ? D'accord. Ok, nickel. Bah tiens, Florentin, tu nous fais la prochaine info. Vas-y, on va faire une info alors. C'est parti. On a la suivante qui est prête. C'est pour Flo. Allez, c'est pour Flo. Flo. Donc, si vous aimez le loto, il y a un loto qui s'organise à Normanville le dimanche 5 novembre 2023 à 14h. L'ouverture des portes est à 13h. 13h. Salle des fêtes du coup de Normanville, parce que c'est à Normanville, tu sais un peu. Oui. C'est organisé par qui? Tais-toi. Donc, à gagner une trottinette électrique pour pouvoir se rendre au travail comme Allison, sauf qu'elle a un scooter et c'est différent. Allez, petit taquet. Allez, hop là. Une centrale vapeur, si vous avez plus de chaleur, vos chauffages ne marchent plus. Du coup, ça non, sert ça à... c'est... non, ça ne sert à pas, c'est fort en fait, une centrale vapeur. C'est voilà. Pour faire le faire à pas, c'est fort en fait. J'avais croire que c'est ça, du coup, c'est ça. Un bon d'achat de 100 euros. Wow. Et pas 101 euros, c'est 100 euros. C'est 100 euros tout. Ni 99 euros, 99. Non, c'est 100 euros. 100 euros, attention, ça blague pas. Et de nombreux autres lots. Donc, vous aurez Martin à gagner. Ça c'est un lot qu'on rajoute au fur et à mesure mais... Ouais, c'est le lot surprise. C'est surprise, c'est pas une surprise très cool. Attends, tu veux peut-être zoomer pour le prix des cartons. Le prix des cartons, donc un carton c'est 1€, 2 cartons c'est 2€ je suppose. Un carton c'est 3€, 7 cartons 15€, 16 cartons 30€. Non. 4 cartons 10€. 10€. Mais avec le code WebTV, vous avez une réduction de 10% de 2€ sur le premier carton. Qu'est-ce qu'il y a? On peut faire du rap. On peut faire du quoi? Temple, un carton 3€, 7 cartons 15€, 7 cartons. T'as pas fini, excuse-toi, pardon. Oui, je m'excuse. Ah ouais, carrément. Alors, La tombola, elle. Une tombola. Tombola. Une mouvature tombée. Tombée la chemise, tombola. Tombé.
Donc réservation au 02 32 34 73 82 ou au 06 76 16 27 74. Ou alors vous appelez Julien. Non, pas du tout. Bah, ouais, le numéro, ils sont ici. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, mais inscrivez-vous. Il reste en plus pas mal de places, a priori. Puis bon, c'est les gens de Normanville qui se bougent un peu pour fabriquer des animations bien sympathiques. Alors, donc, Florentin, voilà. Alors, Florentin, c'est le seul qui fait à manger et qui mange sa propre nourriture. On a encore une info ou pas? Ouais. Oui. Vas-y. Info PST. Aurélie. Info PST. Ah, ou moi, peut-être, ouais. Aurélie, pour l'interrogation. Alors, effectivement, tournoi de Mario Kart le samedi 9 décembre à 14h. C'est un tournoi enfant-parent. Donc, c'est à la salle Gérard-Philippe de Gravigny. Donc, en fait, pourquoi je dis enfant-parent? C'est qu'il y a plusieurs catégories. Une catégorie moins de 16 ans, une catégorie plus de 16 ans. Et un trophée famille. C'est-à-dire que si tu viens jouer avec ton ado ou avec, ton enfant, voilà, tu peux remporter plus de points. Donc, t'es pas obligé de gagner le tournoi en lui-même. Mais en vrai, on peut quand même gagner un lot quand on fait ça. Alors donc moi, c'est sur inscription, c'est entièrement gratuit. Donc on jouera sur plusieurs consoles différentes. Chaque, il se sera par pool, etc. Donc je spoil un peu le truc. Mais du coup, on jouera sur différentes Nintendo et d'autres supports. Surprise. Vas-y Martin, je t'écoute. Avec une question. Dis-moi. C'est quoi les lots? Les lots, c'est des coupes. Oh. C'est des trophées. Trop bien. C'est des trophées. Non, c'est des trophées. Bah, le tournoi est gratuit. On n'avait pas besoin de faire une PlayStation, quoi. Enfin, tu n'as rien à voir en plus. D'accord. Voilà. Non, 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 c'est un moment convivial, tout simplement. Et effectivement. Et on a fabriqué un simulateur de conduite à la Web TV. On vous le montrera peut-être la semaine prochaine. On essaiera de faire une vidéo dessus, comment on l'a fabriqué. Et comme ça, ça fera. Et voilà, surprise, il y aura plusieurs plateformes pour y jouer. Waouh. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, toi. Il filme il filme la cuisson de la pizza. Il est éteint ton four, Flo, rassure-moi. Oh putain. Parce qu'il est noir là. Non, punaise, pardon. Oh punaise, pardon. Allez. Allez, on a encore une info, Paul ou pas? Non, y'a plus rien. Non. Ah, y'a plus rien. Me dis pas que c'est pas vrai. Bah non. Si. Attendez, je vais voir. Non, non, y'a plus rien, on a tout fait. On a tout fini. Après, est-ce que je peux parler du festival ou pas? Oui, allez, vas-y, parle de voilà. Ton festival. Comment? 15 minutes. Non, non, il parle pas. Non, non, pas 15 minutes, j'ai pas 15 minutes, Florentin, pour parler ici. Vas-y, on t'écoute. La semaine dernière, du coup, mercredi dernier, s'est terminé le festival Génération Durable, qui se passait en fait entre le 8 et le 18 et le 12 octobre. Non, 8 et 18 octobre sur la, du coup, sur l'agglomération d'Evreux. Donc, l'association Naturellement Riche s'est rendue sur les communes d'Aviron, Fontaine-sous-Jouy, La Couture-Boussée, Le Val-David, Gravigny, Évreux, on a été au Tangram, on a été au cinéma. Donc d'ailleurs, d'où le Tangram était partenaire, nous avons passé la journée du vendredi 13 octobre. Et il y a eu plus de 1000 personnes, plus de 1200 personnes qui sont venues sur toutes les projections au total. Okay. La plus forte fréquentation a été Fontaine-sous-Jouy. Eh oui, ça arrive. C'est chez nous. Oui, c'est Laurence. Oui, peu importe. Qui, y a pas qui que joue Laurence, le bouffe l'oreille, enfin bref. Chez nous. Mais non, sinon, de très belles rencontres, que ce soit au niveau des réalisateurs qui sont venus ou qui est venu du coup pour la clôture du festival, comme pour le vendredi 13 avec la projection de deux très beaux films. Yukon, un rêve blanc et Félin noir sur blanc, où on a échangé avec le réalisateur en visioconférence. Et c'était un très beau festival. Et du coup, prochain festival, ce sera le festival Anthropocène. Merci voilà. Martin. De rien. C'était complet. Ah, question de Paul. Paul, prends ton micro, tu parles. Oui. C'est juste. Non, c'est pas pour faire comme. On va taper Martinus. Ouais. Mais c'est pas exactement comme lui, mais. La prochaine fois, parce que là on fait les pizzas, mais veux-tu que je fasse lundi prochain les quiches? Alors écoutez, moi à chaque fois que je sors du travail et qu'on propose de la nourriture, moi je ne dis pas non. Attendez, la semaine prochaine je finis à quelle heure? Je crois que je suis.
Moi je pensais qu'il voulait parler du festival développement durable et tout. Alors en fait, moi je vais parler de. Non, mais moi je connais rien. Ça tombe bien, la semaine prochaine je suis encore un seul. Moi je connais rien, moi. Et lui il est d'accord. Impeccable. Allez, on fait quiche. Aurélie, tu voulais parler d'un truc, toi. Pardon, ouais. Excusez-moi. Alors, attends, je voulais rajouter un petit truc, ouais. Alors, Aurélie, je te mets une caméra sur ta trombine. Vas-y, roule, j'ai quelque chose à dire. Merci, c'est gentil. Juste pour faire un petit rappel, parce qu'ils l'ont pas mis la fiche, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il y a les ateliers enfants-parents pour les vacances de la Toussaint, vu que les vacances viennent à peine de débuter. Il y a encore des places qui restent, alors sauf pour l'atelier peinture. Je sais que je reçois plein de mails par rapport à l'atelier peinture. C'est fini. Je peux pas faire plus, je peux pas faire mieux. Je sais que la peinture, ça vous fait plaisir, mais il y a un moment... Il n'y a plus de peinture. Donc voilà, il reste de la place pour tous les autres ateliers à l'heure actuelle. On en a un pour faire des cadres photos automnales avec une petite promenade dans la forêt Saint-Germain-des-Angles. Donc voilà, pour cet atelier-là, il nous reste de la place. Sur la semaine suivante, on va avoir du modelage pour les 0-4. Même chose, il nous reste de la place. On a un atelier créatif sur le thème de Dia de los Muertos. Et oh là, un autre atelier que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Et il reste aussi... ça y est, ça me revient. C'est l'atelier cuisine. Et il nous reste aussi de la place. On sera un peu plus sur un thème, du coup, Halloween, puisqu'on sera, du coup, fin octobre, début novembre. Sucré ou c'est salé ? J'ai pas cette sucré. Tu l'as parfait. Non, et juste, on a oublié aussi, on n'a pas mis la fiche, mais l'atelier théâtre aura exceptionnellement lieu demain soir et non pas la semaine prochaine. Pour l'aventure. Voilà. En fait, il reste deux places avec le Covid. Oh, TV 30. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Toujours pas. Non, mais attendez, il s'est fait une coupe pendant l'émission. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, comme tu disais, Martin, on a le théâtre, ça sera demain soir, du coup, au lieu du 31. Bon, après, le groupe est prévenu. Mais après, s'il y a des nouveaux qui veulent venir, demain soir, on sera effectivement à la salle d'Irville de 18h à 19h30. Oui. Pour continuer à faire du théâtre. Voilà. Et créer une pièce de toutes pièces. Qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière ? Parce que du coup, comme j'étais pas là. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a ? Rien. T'étais pas là, on a rien fait. Vous avez commencé des textes absurdes, non ? Non, ils ont voulu jouer. Oui, on a fait des vire-langues. Voilà, oui. On a utilisé des textes qui te font virer la langue. D'accord. Voilà. Et donc, du genre c'était très genre avec des tu, vous, nous, etc. Enfin voilà. Tu voulais, tutoyer, tutoyer, vous, voilà. C'est ça. Enfin, c'était. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Voilà. Je pense qu'ils sont ressortis avec la tête grosse comme une pastèque. Voilà. Bah, au moins c'est bien. Et donc normalement demain soir on devrait travailler avec le son. Voilà. Parce qu'on devait travailler déjà la semaine dernière avec le son. Et du coup, ils ont voulu faire autre chose, monter sur scène, etc. Donc, on suit le mouvement aussi, sachant que c'était très intéressant. Et donc, normalement, là, on devrait faire de la création à partir d'un son que Alison nous a bricolé. Mais alors, du coup, tout le monde est revenu ? T'as eu tous les premiers... Tout le monde est revenu. Bah, après, il y avait aussi les réunions parents-prof. Oui, en même c'est temps. Ça qui nous a un peu bloqué. Sauf moi. Il nous manquait une jeune fille et il nous manquait Martin qui travaillait. Voilà, en gros. Et les parents, hein, de manière générale, tous les parents étaient pris. Non, la semaine dernière, j'étais. Et du coup, vous êtes combien, une petite dizaine ? On est 10, ouais. Ok. Ouais, on est 10. Ouais. On est 10, c'est pas mal, ouais, ça fait un groupe sympa. Et puis, autant d'adultes que de jeunes, en fait. Et il y a même des parents qui font théâtre avec leurs ados, et ça c'est vraiment cool en fait. Ouais, c'est classe. Ça, c'est vraiment cool. Et moi je vais arriver un peu à la bourre demain. Toi demain t'es un peu à la bourre ? Bah je finis à 18h30 donc. Ouais, et bah t'arrives quand t'arrives de toute façon, y'a pas de soucis. Oui. Voilà. Tu veux que je te fasse un mot ? Bah tu vois, je te laisse envoyer un message à Charlotte. Hein. Ça marche. J'enverrai un message à Charlotte. Voilà, bon, en tout cas du coup pour les ateliers théâtre, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Là on peut encore accepter entre guillemets que du monde nous rejoigne, donc c'est le moment ou jamais venir profiter d'un petit moment tranquille avec la salle des fêtes d'Irville. La salle des associations. Salle des associations. Ouais, salle des associations. Mais vous avez, quand vous arrivez dans Irville, je mets des petites chaises de jardin avec parquet théâtre. Donc normalement on peut pas les louper. Et oui, on peut, ouais, t'as raison de le dire Aurélie, on peut encore réintégrer le théâtre tant qu'on n'a pas commencé à créer la pièce c'est et ça. À distribuer un peu les rôles. Donc là pour l'instant on est dans une phase où on joue beaucoup. Et oui, on se découvre, voilà. Mais là, c'est bientôt Halloween, c'est quand, la semaine prochaine ? Oui, c'est le 31. Et du coup, vous avez une grimace que vous aimez bien faire pour Halloween ? Parce que je peux vous en faire une, là. Moi, j'aime pas Halloween. Moi, j'aime pas Halloween. C'est une grimace. Alors, il faut utiliser ces deux doigts, le pouce et l'index de chaque main. Alors, mettez-vous derrière Alison. Pour se tenir les yeux. Non,
Je pose le micro. Ah, il va zoomer. Attention, non, je fais peur de près. Je zoome pas trop. Attends, je cherche le bouton déjà. Zoome pas trop. T'as trop de voir sinon. Attends, après. déjà, je cherche le bouton déjà. Zoome pas trop, elle est pas maquillée. Ah. Oh. Heureusement qu'on a baissé la lumière. Attends, heureusement que ça a disjoncté. Oh, mais non. Voilà. Là, t'es bien. Ah, là, t'es. Oh. Et le mec est un professionnel. Ouais. Vous mettez vos doigts comme ceci. Comme ça. Ouais. Jusque là, tout va bien. Merci. Je vais tenir la sucette. Merci. Donc. Non, mais poussez-vous, c'est micro. Donc, vous mettez vos doigts comme ceci. Et après, vous froncez les sourcils. Et après, vous faites comme ça avec la bouche. Voilà. Et ça change quoi d'habitude, là? On l'a entendu ou pas, non? Mais bien sûr qu'on l'a entendu. Oh, je n'attendais que ça. J'attendais, franchement, j'attendais juste la fin de la grimace pour juste balancer ma saleté de... Qu'est-ce que vous êtes méchante avec, méchant avec Alice? On est poli. Est-ce que vous connaissez ou pas Homer? Oui, on connaît Homer. Enfin, Homer de l'Odyssée d'Homer. Oui, dans les... Homer ou la quiche. Ah, parce que quand il était un peu fou, il disait « Poule mouillée !» Ah oui, tu fais vachement bien, viens refaire en fait pour le mouiller. Oh, pour le mouiller. Ah, c'est stylé aussi. Moi j'ai un nom super. Alors attends, voilà. Ah, Florentin. Oh, douille. Vas-y, Martin. Bientôt, Florentin. Bien plus, la guerre, c'est tout dans toute la maison, Florentin. Tu nous as pas fait cramer la pizza, j'ai fait. Non, j'ai surveillé un peu. Un peu. Du coup, vendredi prochain, lundi prochain, c'est Halloween. Oui. Rendez-vous pour WebTV Horror Show pour la deuxième édition. Ah oui, c'est vrai, on a fait l'année dernière. Alors du coup, c'est Florentin qui a tout préparé. Voilà. Moi, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai préparé. Oui, tu vas préparer. Voilà. Et c'est toi qui fais. Voilà. Ok, et merci à vous tous. Et ok, on va repasser sur tout le monde. Sur la pizza. Merci Martin. Merci Paul. Au revoir. Merci Aurélie. Merci. Merci Florentin. Merci à toi, cherche la pizza. Vas-y, cherche la pizza. Voilà, petit. Merci Alison. Voilà. Et attends, la pizza. Surtout n'oublie pas les pâtes et le mozzarella, mamma mia. Oh, belle. Elle est bon appétit. Elle est belle. Non, allez. Plutôt. C'est parce qu'on a cramé la lumière du four. Ça fait un peu noir. Voilà. Allez, mets-nous le jingle, papy. Là. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.